Tout d'abord, moi je suis né effectivement aux Antilles en 1972, où la grande majorité des personnes ont la même couleur de peau que moi. J'arrive en 1981 dans la région parisienne, et là à l'époque il y avait un dessin animé à la télévision où il y avait deux vaches, une vache noire qui s'appelait la Noiraude, très stupide, une vache blanche qui s'appelait Blanchette, très très intelligente. Et certains de mes camarades de classe m'appelaient du nom de la vache noire, la Noiraude, et ça m'attristait. Et je ne comprenais pas pourquoi la couleur noire était chargée aussi négativement. Et donc, je me souviens très bien, un jour, je rentre à la maison, je pose la question à ma maman, et elle me dit: oui, tu sais, c'est comme ça, les gens sont racistes et les choses ne vont pas changer. Et depuis lors, en fait, j'essaie de comprendre le pourquoi du racisme. Et j'essaie de comprendre le pourquoi du racisme parce qu'en fait, je le dis souvent en souriant, je suis devenu noir à l'âge de 9 ans. Parce qu'avant, je m'appelais Lilian, j'habitais en Guadeloupe, j'étais français. Et lorsque vous arrivez à Paris, en fait, vous n'êtes pas vu comme un français, vous êtes vu comme un noir, avec les images négatives qu'on met sur les personnes de couleur noire. Elle est... Ben écoutez, je pense que avant d'expliquer l'esclavage qui a touché les populations d'Afrique, je crois qu'il faut comprendre l'arrivée de Christophe Colomb dans les Amériques. Ça, c'est très important. Je dis bien l'arrivée parce qu'en règle générale, même en 2013, on dit que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Et je trouve ça extrêmement grave parce que, encore une fois, ce serait nier les millions de personnes qui habitaient en Amérique. Et ce qui est très intéressant, c'est que pour comprendre l'esclavage, il faut comprendre la controverse de Valladolid. C'est-à-dire qu'à un moment donné, après avoir massacré une grande partie de la population amérindienne, après les avoir mis en esclavage, en travail forcé, on a commencé en Europe à avoir des personnes qui se sont levées pour dire que c'était injuste. Et donc la controverse de Valladolid, c'est tout le débat à savoir si les Amérindiens ont une âme. Et donc la réflexion, la conclusion de cette controverse, c'est oui, les Amérindiens ont une âme. Donc s'ils ont une âme, on ne peut pas les traiter comme on les traitait. Mais si on ne peut pas les traiter comme on les traitait, il faut des gens pour travailler la terre. Et donc, c'est là qu'on a l'idée d'aller chercher justement les hommes et les femmes, les enfants, sur le continent africain, et décréter qu'en fait que les Noirs n'avaient pas d'âme. Et donc, voilà pourquoi il y a eu cette construction intellectuelle qui fait que lorsque vous voulez exploiter des personnes, il faut expliquer qu'ils sont inférieurs et qu'ils ne sont pas comme vous. Et donc, voilà comment s'est mis en place le commerce triangulaire. Qui fait qu'on allait chercher encore une fois des hommes et des femmes sur le continent africain pour les mettre en esclavage, notamment en Guadeloupe où je suis né, et dans les Amériques, Amérique du Nord, Amérique du Sud, pour justement exploiter leur force du travail. Parce qu'encore une fois, l'esclavage n'est pas une confrontation entre personnes de couleurs différentes, mais je crois qu'il faut le rappeler que c'est avant tout un système économique mis en place. C'est-à-dire que pour faire des marges très importantes, la meilleure façon, c'est de ne pas payer les personnes qui travaillent. Et c'est pour cela qu'encore aujourd'hui, certaines personnes essaient de mettre en œuvre ce système-là. C'est-à-dire on paye très très peu les travailleurs pour que les marges soient plus importantes. Tout d'abord, je dirais que pour exploiter une personne, il faut qu'on explique qu'il ne fait pas partie du même groupe, qu'il ne fait pas partie de la même humanité que vous. Pour prendre l'exemple, je dirais qu'il faut peut-être revenir à comprendre la plus vieille hiérarchie qui existe dans nos sociétés, ça veut dire la hiérarchie qui placerait les hommes au-dessus des femmes. C'est-à-dire que tout au long de l'histoire, on a expliqué que les femmes étaient moins intelligentes que les hommes, et c'était la meilleure façon pour les hommes de les exploiter. Mais ça a été fait dans la même logique avec les personnes de couleur noire, c'est qu'on a expliqué que, effectivement, par nature, par leur couleur de peau, ils étaient inférieurs, ils n'étaient pas comme les blancs, et que les personnes blanches avaient
tout droit pour pouvoir exploiter les personnes noires, parce que en fait, les personnes noires étaient considérées comme le chaînon manquant entre le singe et l'homme, et donc que les personnes noires étaient imparfaites et que c'était une race inférieure. Et ce qui est très intéressant, par exemple, cette notion de race, qui a été construite vraiment par les scientifiques du 18e, 19e siècle, c'était expliquer effectivement qu'il n'y avait pas la même humanité. Je pense que ça, c'est très important, parce que la première des choses pour exploiter l'autre, c'est dire qu'il ne fait pas partie de la famille, de la même famille que vous. Et donc, on a expliqué tout au long de l'histoire qu'il y avait, une différence au niveau du crâne, au niveau du membre, qui fait que c'était tout à fait normal de les exploiter. Et je dirais, c'est comme tout, lorsque vous, répétez, je dirais, un mensonge 100 fois, ça devient une vérité. C'est-à-dire que pour les sociétés européennes, ou même aux sociétés mondiales même d'ailleurs, c'est devenu une réalité. Les personnes noires étaient inférieures, étaient exploitables à merci. Et après le système esclavagiste, on a basculé tout de suite dans le système colonialisme, qui, encore une fois, est dans la même démarche. Parce que le système colonialiste, c'est la plus grande, peut-être, entreprise coloniale. Non, pas coloniale. La plus grande entreprise commerciale qui existe. Et là aussi, on a remis en place les mêmes hiérarchies selon la couleur de la peau, où on trouvait les personnes de couleur blanche tout en haut de l'échelle et les personnes de couleur noire tout en bas de l'échelle, et où les personnes de couleur blanche pouvaient exploiter tranquillement les personnes de couleur non blanche. Et donc, cette construction intellectuelle qui a une longueur historique très 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 importante, nous la vivons encore aujourd'hui, parce qu'il faut rappeler quand même que l'apartheid, encore une fois, qui est construite sur la même hiérarchie selon la couleur de la peau, se termine dans les années 90. Nous sommes en 2013, on voit justement cette proximité, et le racisme qui existe aujourd'hui est la suite logique du racisme qu'on a trouvé pendant l'esclavage, qu'on a trouvé pendant le colonialisme, qu'on a trouvé pendant la ségrégation aux États-Unis, qu'on a trouvé pendant l'apartheid. Et ce racisme existe encore aujourd'hui parce que beaucoup de personnes ne peuvent pas penser l'égalité entre les personnes selon leur couleur de la peau. Et beaucoup de personnes, encore une fois, dans les sociétés européennes, font en sorte de tenir dans une certaine infériorité les personnes de couleur blanche. Voilà. Je pourrais rajouter, comme certains hommes d'ailleurs, font tout pour tenir dans une certaine infériorité les femmes. C'est vraiment la même logique intellectuelle. Écoutez, tout d'abord, effectivement, il faut savoir qu'il n'y a pas si longtemps que ça, jusque dans les années 1958, on pouvait aller voir des personnes qui venaient d'Afrique, d'Océanie, d'Amérique, dans des jardins d'acclimatation, dans des zoos. Et par exemple, l'arrière-grand-père de Christian Carambeu a été présenté dans le jardin d'acclimatation en 1931 en France. Et donc, lorsque on comprend cette histoire, on comprend pourquoi le racisme existe aujourd'hui. Parce qu'encore une fois, de génération en génération, vous êtes éduqué à voir l'autre à travers sa couleur de peau et voir l'autre de façon supérieure ou inférieure. Et donc, l'exposition que nous avons faite au Quai Branly sur ce thème des eaux humains a permis aux gens de comprendre comment s'est mis en place ce racisme, comment le racisme scientifique a débouché sur un racisme culturel. Parce qu'encore une fois, nous devons comprendre que le racisme est lié à nos propres traditions. C'est-à-dire, c'est une façon de faire, une façon de dire, une façon de penser le monde. Et nous savons très bien que lutter contre les traditions, c'est extrêmement compliqué. Donc voilà pourquoi il faut en parler, pour sortir de cette culture liée à la couleur de la peau. Really? Écoutez, effectivement, lorsqu'on parle de hiérarchie selon la couleur de la peau,
Effectivement, si vous mettez les personnes de couleur blanche en haut et les personnes de couleur noire en bas, les personnes de couleur noire finissent effectivement par penser qu'ils sont inférieurs, étant donné qu'ils vivent dans la même société, étant donné qu'ils vivent dans une certaine infériorité depuis des siècles. Et par exemple, moi qui suis des Antilles, ça se retrouve aux Antilles. C'est-à-dire qu'aux Antilles, la génération de ma maman, qui est née en 1947, on lui faisait comprendre qu'il était préférable de se marier avec une personne qui aurait la peau plus claire. Comme ça, elle aurait des enfants qui auraient la peau échappée du noir. Et donc là, on voit que la société antillaise a intériorisé le complexe d'infériorité. C'est-à-dire que le noir reste inférieur et que par dégradé de couleur, la supériorité, le summum, c'est être blanc. Et donc ça se retrouve effectivement, par exemple, dans d'autres sociétés où il y a des personnes de couleur noire qui sont prêtes à se mettre des crèmes pour blanchir la peau, sachant qu'en plus, ils risquent des maladies. Parce que, encore une fois, étant donné qu'ils vivent dans une société où on dit que la couleur noire est négative, ils essaient justement de s'éclaircir. Et donc je pense que aussi, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants, petits aussi, quand ils subissent le racisme, parce que le racisme c'est quelque chose d'extrêmement violent, ils peuvent aussi avoir une volonté de ne pas être noirs. Et donc je trouve qu'aborder ce sujet-là, c'est extrêmement important parce que souvent on ne l'aborde pas. Souvent on parle beaucoup du complexe de supériorité des personnes de couleur blanche, mais on oublie que les personnes de couleur noire qui ont vécu dans cette société peuvent déclencher ce complexe d'infériorité. Et je pense que c'est pour cela qu'il faut avoir un vrai travail éducatif pour comprendre que les personnes de couleur noire n'ont jamais eu de problème, en fait. Ce sont les personnes de couleur blanche qui ont dit que les Noirs avaient un problème. Et donc c'est ça qu'il faut dépasser. Et aussi, l'histoire racontée est très importante. Parce que très souvent, l'histoire racontée des populations noires, c'est avant tout l'histoire de l'esclavage. Et donc, si dans l'inconscient collectif, l'histoire des populations noires commence par l'esclavage, que ce soit pour les personnes de couleur noire, que ce soit par les personnes de couleur blanche, on voit bien qu'on a enfermé les personnes de couleur noire dans une infériorité. Et c'est pour ça qu'il est très important de raconter l'histoire avant l'esclavage, par exemple, de l'Afrique, et comprendre qu'en fait, que l'esclavage n'est qu'un épisode de l'histoire. Et ça, c'est extrêmement important pour développer chez ces enfants qui sont mis en difficulté l'estime de soi. L'estime de soi. C'est très important aussi pour les enfants de couleur blanche de connaître l'histoire de l'Afrique avant l'esclavage. Ça leur permet de faire tomber les préjugés qu'ils peuvent avoir. Et donc, c'est très, très important l'histoire qu'on raconte à la société tout entière. Tout d'abord, on peut travailler sur l'égalité en faisant comprendre comment les inégalités se sont mises en place. Parce que les inégalités ont été construites. Et travaillant sur, les inégalités, on peut comprendre la société d'aujourd'hui. Et effectivement, je crois que pour dépasser les problématiques des préjugés, d'accord ? Il faut que chacun de nous puisse nous questionner sur nos propres préjugés. Sur nos propres préjugés. Parce que souvent, on parle des gens qui sont discriminés. D'accord ? S'il y a des gens qui sont discriminés, c'est qu'il y a des gens qui sont avantagés. Ça me paraît tout à fait normal. Si vous discriminez les femmes, les hommes sont avantagés. Si vous discriminez les personnes de couleur non blanche, les blancs sont avantagés. Et donc, le vrai problème, c'est est-ce que lorsque, depuis des siècles, on vous a mis dans une certaine situation d'avantage, est-ce que vous êtes prêt à l'égalité ? C'est ça le vrai problème. Est-ce que vous êtes prêt à ne pas rester dans cet avantage historique ? Et je pense qu'il y en a beaucoup qui veulent garder de façon consciente ou inconsciente leur avantage. Et donc voilà pourquoi c'est très difficile de penser l'égalité dans nos sociétés.
parce qu'il y a des personnes qui veulent rester dans l'égalité. C'est-à-dire que, pour me faire comprendre, lorsque, par exemple, aux États-Unis, il y a la marche des droits civils, d'accord, mais il y a beaucoup de personnes de couleur blanche qui n'étaient pas d'accord pour que les Noirs aient les mêmes droits. Pourquoi ? Parce que tout d'un coup, ils sont placés sur le même plan d'égalité. Donc ça veut dire tout d'un coup, les Blancs ne peuvent pas avoir les Noirs à disposition. Parce que l'histoire racontée, c'est quand même, lorsqu'on parle de cette construction intellectuelle, c'est avant tout pour que les Noirs soient à disposition des personnes blanches. Really? Lorsqu'on parle de hiérarchie entre les hommes et les femmes, c'est pour que les hommes soient à disposition. C'est pour que les femmes soient à disposition des hommes. Et donc, c'est pour ça que c'est difficile de penser l'égalité, parce qu'encore une fois, il y a des gens qui ont un complexe de supériorité et qui veulent garder les personnes de couleur non blanche dans une certaine infériorité. Et ça se retrouve même sur le plan du travail. Par exemple, je pense que nous savons très bien qu'il y a le plafond de verre pour les femmes. C'est-à-dire que la femme soit la supérieure dans une entreprise, celle qui commande le poste numéro 1, ben, il y a des personnes qui ont beaucoup de difficultés à s'imaginer ça. Mais c'est exactement pour les personnes de couleur non blanche, dans des sociétés où la grande majorité des gens sont de couleur blanche. Et donc je crois que nous devons discuter de tout ça pour avoir la chance de sortir de nos traditions, de sortir de notre culture et d'avoir une vraie réflexion sur l'égalité. Mais ça, je pense qu'il faut le faire déjà très tôt avec les enfants. Très tôt avec les enfants, pour sortir et pour comprendre que la couleur de peau ne doit ne pas déterminer les défauts, les désavantages de quelqu'un. Mais je pense que si on réfléchit, je dirais honnêtement, au sujet du racisme, mais on verra très bien qu'effectivement, il y a beaucoup plus d'avantages d'être blanc que noir. Voilà, c'est tout. Il y a beaucoup plus d'avantages d'être un homme qu'une femme dans notre société. Il y a beaucoup plus d'avantages d'être hétéro qu'homosexuel. Parce que là aussi, c'est la même problématique. Parce que il y a des supposés groupes qui se disent « c'est tout à fait normal que nous ayons plus d'avantages ». Really? Pour comprendre le capitalisme aujourd'hui, d'accord, le système capitalisme aujourd'hui, c'est extrêmement important de comprendre l'histoire du capitalisme. Parce que quand je parle de l'esclavage, d'accord, quand je parle du colonialisme, quand je parle de l'arrivée de Christophe Colomb dans les Amériques, ce qui est très important à comprendre, c'est qu'avant tout, ce sont des démarches économiques. Et je pense que les gens ne comprennent pas ça souvent. Et lorsque vous réfléchissez à l'histoire des hommes et à l'histoire économique, ça doit nous emmener à réfléchir sur le système économique d'aujourd'hui. Et effectivement, nous sommes dans l'exploitation encore. Nous sommes dans l'exploitation comme nous étions dans l'exploitation des hommes hier. Et aujourd'hui, effectivement, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que où se trouvent beaucoup des matières premières ? Se trouvent aussi sur le continent africain. Je dirais que, par exemple, chacun de nous, nous avons des téléphones. Dans nos téléphones, il y a des matériaux rares, comme le cobalt. Mais la grande majorité des cobalts se trouvent en Afrique et se trouvent dans des zones de guerre, de non-stabilité. Et je crois que pour qu'il y ait justement accès à ces matériaux précieux, il faut qu'il y ait une zone d'instabilité. Et c'est ça que nous ne comprenons pas parfois. Et c'est pour cela que je trouve extrêmement hypocrite d'empêcher certaines personnes qui voudraient venir en Europe pour améliorer leur vie, en disant « voilà, nous n'avons pas de place ici, on ne peut pas accueillir tout le monde », sachant que le système capitaliste fait en sorte que de toute façon, de l'autre côté, ils ne pourront pas se développer. Parce que s'ils se développent, ce sera extrêmement dangereux pour l'économie européenne ou américaine.
Et je trouve que c'est très bien de lier ça et de montrer qu'en fait, qu'il faut sortir des problématiques de couleur de peau pour essayer de remettre l'humain en place. D'accord? L'humain. L'humain qui est écrasé parfois par le système économique. Et le système économique est capable de conditionner dans une certaine direction la population. Comme on a conditionné la population à penser que les personnes noires étaient différentes, comme on a conditionné les personnes à penser que les Amérindiens étaient différents, et comme on dit différent, c'est toujours inférieur, que penser que le colonialisme était quelque chose de nécessaire, et que comme le monde tourne aujourd'hui, c'est tout à fait normal. Et je pense que c'est très important, effectivement, de dénoncer, justement, le système qui nous dirige, en fait. Parce que très souvent, nous pensons que ce sont les politiques et les États, mais je pense que le système qui dirige le monde et qui a toujours dirigé le monde, c'est le système économique. Ben écoutez, c'est extrêmement compliqué parce que effectivement, je crois que de tout temps, on peut nous conditionner à penser certaines choses. Et la première des choses, ce dont nous parlons aujourd'hui, très peu des personnes sont au courant. Parce que pour être au courant, il faut avoir certaines lectures. Mais les lectures, je dirais, à grande ampleur, ne parlent pas de ces sujets-là, ou ne l'abordent pas dans cette perspective. C'est-à-dire que lorsqu'on va parler, des problèmes en Afghanistan, on ne va pas parler du rôle essentiel de l'opium en Afghanistan. D'accord ? Il y a la guerre en Afghanistan, mais je crois qu'il y a 80% de l'héroïne mondiale qui viennent d'Afghanistan. Et donc, ça veut dire que s'il y a la guerre, ça veut dire que c'est les 80%, ça veut dire qu'il y a des avions qui partent et qui les emmènent un peu partout dans le monde. Vous voyez ce que je veux dire ? Si on voit les matières rares, d'accord ? Les matières rares viennent effectivement beaucoup du continent africain, mais on pourrait se dire, mais pourquoi ils ne les gardent pas eux et ne s'enrichissent pas eux ? Et comment se fait-il que dans des zones de guerre, on arrive à prélever toutes ces matières premières ? Voilà, c'est des questions qu'on est en droit de se poser, mais pour pouvoir se les poser, pour que la population tout entière puisse le poser, il faudrait qu'ils soient déjà au courant de ça. Et je pense que la grande majorité des gens ne sont pas au courant de ça, parce qu'ils sont dans leur quotidiennité où ils doivent travailler, subvenir à leurs besoins, et on leur dit que si certains pays ne se développent pas parce qu'ils ont des mauvais dirigeants. Mais écoutez, c'est extrêmement compliqué à savoir si nous sommes dans la même situation qu'avant la Deuxième Guerre mondiale. Je dirais que ce qui est très important à savoir, c'est que le racisme ne vient pas, en règle générale, de la population. Ce sont les élites qui donnent la direction. C'est le discours politique, le discours médiatique, qui conditionne les gens à penser certaines choses. Voilà. Et effectivement, nous sommes dans ce conditionnement. C'est-à-dire que depuis, par exemple, le 11 septembre 2001, il y a un vrai discours raciste, notamment vis-à-vis de l'islam. Et lorsque, par exemple, il y a eu ce livre, je ne me souviens plus du nom de l'écrivain, sur le choc des cultures, et qu'on a fait écho de ce livre-là, parce qu'on a fait écho. Et donc, beaucoup de personnes ont dit, voilà, il y aura un choc des cultures. Il y a un choc des cultures. Mais vous savez, lorsque vous réfléchissez bien, il ne peut pas avoir de choc de culture. Parce que la culture, c'est quelque chose d'immatériel. C'est pas insolide. Donc, ils ne peuvent pas se confronter. D'accord ? Mais si toute l'Europe, l'Amérique, ont pris ce livre pour dire que c'est vrai, c'est qu'il y a une volonté de dire ça à la population. Et donc, voilà, on éduque le peuple à ce type de dérapage. Et effectivement, en Europe, à partir du moment où il y a aussi cette crise économique, qui fait que dans une crise économique, il y a une compétition entre les personnes. Et donc, la compétition entre les personnes attise la violence.
Parce que qui dit compétition dit violence, dit des gagnants, des perdants. Et lorsque vous êtes dans une compétition, vous voulez gagner. Et pour avoir plus de chances de gagner, il faut stigmatiser certaines personnes. Et en stigmatisant certaines personnes, vous vous dites, voilà, j'ai plus de droits que lui. Et si j'ai plus de droits que lui, j'ai plus de chances de gagner moi. Et donc, en règle générale, voilà pourquoi le discours raciste ou le discours sexiste ou discours homophobe en temps de crise est plus développé. Parce qu'il faut le lier, hein, le racisme, le sexisme, l'homophobie. Il faut les lier parce qu'ils sont liés. C'est-à-dire, dans les moments de crise, il y a un discours sexiste aussi. C'est-à-dire que les hommes s'approprient le droit de les femmes à la maison. Et voilà pourquoi il y a un discours raciste, un discours xénophobe. Et voilà pourquoi il faut avoir des politiques à la hauteur de la situation. Parce que ce ne sera que des politiques à la hauteur de la situation qui fera qu'il y a un camp qui va gagner ou non. Et ça, c'est très très important. Parce que le discours vient toujours d'en haut pour descendre. Et si vous avez un discours très très fort sur la stigmatisation de certaines personnes, et de l'autre côté un discours très faible, on va finir par entendre le discours qui stigmatise. Et donc en Europe, j'espère qu'il y aura des personnes à la hauteur pour tenir un discours intransigeant sur la stigmatisation de certaines personnes. Ben écoutez, ce qui se passe aujourd'hui en France, c'est peut-être un lever de bouclier où la parole se libère. Où dernièrement, un journal d'extrême droite a comparé Madame Taubira, qui est ministre de la Justice, à un animal. D'accord ? Mais ce qu'il faut se dire quand même, qu'effectivement, nous sommes en 2013, il y a cette chose qui se passe aujourd'hui. Mais ça a commencé depuis quelques années quand même, je dirais sous le gouvernement de M. Nicolas Sarkozy, je dirais que le discours était déjà aussi le discours était très discriminant, même voire raciste. C'est ça la réalité des choses. Et effectivement aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas en prévention un discours complètement à l'opposé du discours de M. Sarkozy. Le nouveau gouvernement n'a pas tenu un discours à l'opposé très rapidement pour dire voilà, il y a un changement, les idées, notre façon de penser doit changer. Et je pense que effectivement nous sommes dans un non-discours pour essayer de séduire certaines personnes du Front National. Mais des deux côtés. Et je pense qu'effectivement, on va vers le bas. Ça, c'est une évidence. C'est une évidence que nous allons vers le bas, mais nous allons vers le bas parce qu'encore une fois, il n'y a pas de discours ouvertement fort qui dénonce toutes les dérives racistes ou xénophobes. Mais écoutez, on ne sait jamais. Parce qu'on ne peut pas dire... de quoi sera fait l'avenir. On ne peut pas savoir si le Front National ne peut pas gagner une élection. Disons qu'aujourd'hui, la grande majorité des gens ne votent pas aussi Front National. Ça, c'est très important à le dire aussi. Donc, je pense qu'il faut faire très attention à ne pas banaliser, un parti politique comme le Front National. Voilà. Et c'est ça qui risquerait d'être dangereux. Ben, l'origine, je dirais que l'origine des problématiques dans les banlieues, je dirais que l'origine, c'est les problèmes économiques. Je pense qu'effectivement, lorsque vous êtes dans une grande difficulté économique, ça veut dire que vous êtes dans une grande difficulté à vous projeter dans l'avenir. Et quand vous êtes dans une grande difficulté à vous projeter dans l'avenir, il y a une réelle souffrance de beaucoup de personnes dans la société française. Et après, quand vous avez un politique qui stigmatise en plus ces personnes qui peuvent subir le racisme selon leur couleur de peau ou leur religion, et qui subissent aussi
de plein fouet la difficulté de la société, parce qu'encore une fois, c'est les personnes les plus défavorisées. Je dirais que c'est un lieu où il y a beaucoup d'incompréhension et de colère. Et donc, c'est ce qui s'est passé dans les banlieues. C'est-à-dire, quand les personnes se sont révoltées, c'est aussi pour dire reconnaissez-nous, faites quelque chose pour nous. Et je ne suis pas sûr qu'on ait eu la bonne lecture des choses, parce que beaucoup de personnes ont eu une lecture en mettant en avant la couleur de peau de ses enfants ou la religion de ses enfants, mais n'ont pas voulu voir qu'avant tout, il y avait une problématique économique très 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 forte. Mais là aussi, c'est dû à la non-volonté de regarder les choses en face. Il est toujours préférable de stigmatiser les gens en leur disant que c'est eux les problèmes et que de dire, voilà, on va trouver des solutions adaptées pour améliorer votre vie. C'est beaucoup plus facile de stigmatiser les gens. Oui, voilà. Ben, la société civile peut faire barrage déjà en allant voter. La fondation peut travailler justement à la sensibiliser, à apporter une voix. Par exemple, ce que vous faites, c'est très bien, parce que vous participez au débat public, apporter des connaissances aux gens, et pour leur permettre de ne pas tomber dans ce piège. Parce que, encore une fois, les partis d'extrême droite proposent une société violente. Ils ne proposent pas une société pacifique. Ils proposent une société violente. Et pour ma part, je n'ai pas envie de vivre dans une société violente. Voilà. Ben, tout d'abord, je pense qu'effectivement, la victoire de France 98 est un moment important, historiquement, parce que je pense qu'il y a un avant et un après, pour aussi le fait de discuter des problématiques liées au racisme, liées au bien vivre ensemble. Après, comment on vit la chose, je dirais que c'est vraiment le parcours personnel qui fait qu'on interprète les choses d'une façon ou une autre. Moi, en tout cas, cette histoire me permet d'avoir confiance dans l'avenir. Confiance dans l'avenir, sachant qu'on peut dépasser l'histoire. On peut dépasser l'histoire qui nous a enfermés dans des supposés groupes, déterminés par la couleur de la peau, par la religion, par plein de choses. Et je crois que c'est très important d'emmener les enfants à une éducation sur la diversité, une éducation sur l'humanisme, une éducation sur la complexité des choses. Et la complexité des identités. Et je crois que nous devons travailler sur ça, et c'est ce que je fais au sein de la Fondation aujourd'hui. Et si je fais ça au sein de la Fondation aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu France 98, il y a eu cette célébration sur les Champs-Élysées, où est-ce qu'il y avait des milliers de Français venus soutenir l'équipe de France. Et donc je pense que cette victoire nous a permis d'accepter peut-être plus facilement que la France est un pays multicouleur. Multicouleur, je dis bien multicouleur parce qu'on a trop tendance à dire multiculturel. Parce que je dis que la France, depuis la nuit des temps, est multiculturelle. Mais multicouleur, non. Et je crois que c'est ce qu'il faut accepter. Et je pense qu'il y a un vrai décalage entre l'élite politique et la société civile. Parce que la société civile française, il y a beaucoup de mixité. Mais je pense qu'effectivement, dans l'élite économique, dans l'élite politique, dans l'élite au niveau des médias, il n'y a pas cette diversité, il n'y a pas ce regard sur la société française. Et donc voilà pourquoi il est important de débattre de ces sujets pour peut-être penser différemment.
Really?